Bonjour YouTube, bienvenue sur WeTest. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bracelet milanais d'Apple. Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que j'ai acheté ce bracelet et aujourd'hui je vais pouvoir vous le présenter et vous en donner mon ressenti. Ce bracelet est vendu dans une boîte en carton qui referme elle-même une boîte en plastique qui est très classe et que l'on peut transporter partout avec nous. À l'intérieur de la boîte, on retrouve bien évidemment le bracelet milanais, les feuillets habituels que l'on connaît avec la présentation de ce bracelet. Le bracelet milanais est un bracelet particulier, reprenant un design créé à Milan à la fin du 19e siècle, où les mailles en acier inoxydable s'entrelacent entre elles. C'est un bracelet à fermeture magnétique, il s'ajuste à merveille à n'importe quel poignet en un clin d'œil. Ce bracelet est d'une qualité irréprochable. L'aimant est puissant et permet une excellente tenue de l'Apple Watch au poignet. J'ai d'abord cru avec une simple fixation magnétique que le bracelet allait très vite se desserrer et que j'allais pouvoir le perdre de mon poignet, mais ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire, ce bracelet est très sécurisé. Je dirais presque ce qui est le plus agréable avec ce bracelet, c'est son toucher, un toucher très lisse et très doux. J'ai une Apple Watch Sport et ce bracelet est de prime abord fait pour l'Apple Watch classique avec son effet brillant. Vous remarquerez que ce bracelet s'adapte également parfaitement à cette montre. Esthétiquement parlant, je trouve ce bracelet magnifique. Ça ajoute une touche classe à la montre, ça la rend beaucoup plus précieuse, si je peux dire ça comme ça. Néanmoins, malgré tous ces bons points, après 6 mois d'utilisation, je peux vous dire que ce bracelet est très beau, très fonctionnel, il a malgré tout des défauts. La boucle magnétique se raye très vite. Vous remarquerez qu'en dessous, il y a de micro-rayures qui ne sont pas dérangeantes en soi, mais elles sont quand même là. Même si le bracelet ne se desserre pas jusqu'à le perdre, il se desserre tout de même avec les mouvements du poignet au quotidien. Nous sommes sans cesse en train de remonter la boucle pour que la montre épouse parfaitement votre poignet. Ce bracelet milanais reste malgré tout l'un de mes préférés. Il a peu de défauts pour beaucoup de qualités et il est vraiment très très esthétique. Si vous êtes tenté par ce bracelet, je vous invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager entre vous et vos amis, et bien sûr, à vous abonner.